on va en direct avoir le résultat des femelles. Nous avons ici ce numéro 24 en direct, et oui, avec Michel Bourneuf. Si, il va nous le dire. Une des sources présentées par Michel Parot de Lotte avec Paul Coudert et Bruno Vagne. Et ici, Didier Berland a le numéro 19. Le numéro 19, c'est la pouliche qui s'appelle Unica la Reconce par Romain Deschamps et First Wool, issue d'une souche chaignon. Et nous allons, on va se retourner quelque peu. Nous sommes un peu en contre-jour et donc on va s'avancer pour suivre en direct la délibération de la meilleure femelle de ce concours. Michel, il y a le vote. Moi, je vote pour le 24. Aymeric vote pour le 24. Michel, pour qui votez-vous? Moi, je vote pour la 24 aussi. Michel pour la 24. Qui sont les autres juges? Monsieur Bresson. Dominique Bressoux. 19. 19. Alors, la 19. Et attends, mademoiselle. Il reste la dernière. Alors, ils sont 4. Alors, attention. Là, il y a suspense, parce que si Léa vote également pour le 19, il y a égalité. Sinon, après. La 24. La 24, et c'est donc la 24 qui est désignée lauréate. La 24, ici, cette pouliche grise, présentée par, on ne va pas s'en mêler les crayons, dans le fil. Et donc, je vais passer le fil entre les jambes de ma cadreuse, ce qui n'a rien de scabreux, et pour aller voir le numéro 24. Le numéro 24, c'est cette pouliche présentée par Michel Parot-Delotte. Une des sources, une pouliche de Don Alco, grise comme son père dans Don Alco, et nouvelle recrue issue d'une souche de Bruno Vagne. Michel? Et pas toujours très heureux. On est heureux de gagner pendant cette épreuve, c'est jamais facile. Surtout que ma pouliche est plus jeune que la précédente, donc elle était dans la deuxième section des plus jeunes, donc elle a d'autant plus de mérite à gagner. Voilà, on est heureux de ça. Merci Michel, nous allons passer au enfin la conclusion finale de ce concours d'AQPS de Moulins-sur-Allier. De Moulins-sur-Allier, c'est la désignation des mâles. Où sont les mâles? Où sont les mâles? Est-ce que c'est le vainqueur? Mesdames, Messieurs, est-ce le vainqueur ici le numéro 42? Eh oui, le numéro 42 s'est imposé. Donc le meilleur mâle, donc bien sûr c'est la catégorie la plus prisée des concours de modèles et allures d'AQPS, c'est le numéro 42. Le numéro 42, je tourne ma page pour découvrir que ce numéro 42 s'appelle Ukaido Boisho et c'est un fils de Singa Singa, disparu malheureusement Singa Singa qui faisait la monte au haras de la Berthe Audry, lui-même le propriétaire ne s'en souvient pas, mais c'est pas grave puisque le cheval est mort, chez Georges Lacombe dans le Cher. Ce poulain gris ici de Singa Singa, et c'est Thierry Chenu, son futur entraîneur, qui va nous le présenter. Alors c'est un poulain donc qui est né chez Jean-Benoît Valquerie, qui élève depuis déjà de nombreuses années et qui fait un travail de qualité, un petit peu dans l'anonymat, discrètement, mais qui n'est néanmoins quelqu'un qui est présent depuis 25 ans sur les hippodromes avec une réussite constante. Et là, c'est sans doute aujourd'hui un de ses plus beaux fleurons qui nous a présenté. Monsieur, vous êtes professeur de musique? Non, directeur de la conservatoire. Directeur d'un conservatoire de musique, monsieur. D'Issoudun. Conservatoire de musique d'Issoudun. Alors, expliquez-nous quel rapport y a-t-il entre la musique et les chevaux? Beaucoup de points communs. Le travail de précision, l'harmonie, la recherche de l'esthétique. Champion suprême. Vous êtes arrivé. Le champion suprême va en direct devant nous, devant la caméra de France CIR TV, recevoir son prix. Le 42. Par Aymeric. Alors où est la plaque? Eh bien la plaque, elle n'est pas là, mais c'est pas. Mais ce n'est pas bien grave. Ici, on peut découvrir sur ce tableau tout le classement. Ici, vous savez que c'est assez technique les classements, et c'est donc le numéro 42 qui est arrivé en tête. 42 plus, hein. Voilà. C'est comme aux États-Unis, il y a un petit plus. Formidable. Bravo. Merci. C'est une belle symphonie. Tout à fait, c'est la plus belle des symphonies. Merci beaucoup. Allez, c'était donc aujourd'hui, toute la journée, vous avez pu suivre le concours des AQPS de Moulins-sur-Allier. Le champion est un fils de Singa Singa, le champion de 2 ans. Et à très bientôt désormais pour un autre concours, car vous savez que fin août, vous pourrez suivre le concours en direct, le concours de 2-6, le fameux concours interrégional des AQPS de 2-6 dans la Nièvre, pour lequel étaient sélectionnés les meilleurs produits ici à Moulins, qui sera suivi 15 jours plus tard, le 9 septembre, du concours, l'équivalent, le show AQPS, l'équivalent dans l'ouest de la France, c'est sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur France CIR TV. Au revoir.